Non, mais attendez, colonel, il m'a rébu. Les colonels à moi, ou bien sénateur, il la tortue. Oui, sénateur, il la tortue. Et sur ça, sénateur, la tortue. Stanley Lucas, quand même. Donc. On ne font parler avec le sénateur La Tortue. Et sur question ça, probablement, nous avons parlé. Et on allait avec le colonel Imner Rebi. Avant d'avancer, madame, monsieur. Avant nous entrer dans la question qui a rapport avec Haïti. OK? Avant nous arriver dans la question qui a rapport avec Haïti. Qui impact que ça a gagné donc, sur la politique Haïti, ça a fait là. OK? Pas oublier matin débat sur l'école. Et nous toujours dit, il faut gagner un plume avec un mot pour capable noter. Ça qui dit, donc dans le cadre d'émission Matin Débat. Ok. Nous allons parler, nous allons parler avec le sénateur Yuri La Tortue. Donc sous et décision ça que Daniel Foote lui-même l'a pris. Pour le retirer l'école, pour le mettre fin à mission pratiquement donc en Haïti. Ok. Sénateur La Tortue, bonjour, bienvenue à l'émission Matin Débat. Comment nous est? Bonjour Loco, bonjour à toute panel d'émission, bonjour à auditeurs, auditrices d'émission Sahara qui écoutent Gadi à travers le monde. Salut tout auditeur, auditrice, et saluer et auditeurs, auditrices qui attendent dans le département de l'Antibes. Ok, sénateur Lortu, est-ce que c'est une grande surprise pour vous et la démission de M. Daniel Foote? Moi, je pense que l'IPATE est une surprise pour moi. Qui te gagné contact permanent avec M. Foote, puisque moi, t'as suivi, moi, t'es qu'à dire, politique Daniel Foote à travers mission, et moi, t'es ouais, que enfin, gagné un représentant officiel, gouvernement des États-Unis, qui lui-même t'es ouais, question haïtien l'autre jour. Elle t'es ouais dans le sens pour que t'aies une vraie solution, eh bien, qui te joigne par rapport à dossier Haïti. Et l'ité travaille pour favoriser et un consensus haïtien. L'ité travaille pour te joindre une solution vraiment haïtienne et pour que transition ça, eh bien, nous t'es vraiment allé avec d'autres nouveautés. Nous t'es allé dans un changement au système. Et moi, t'es remarqué que souterrain, que l'administration américaine, à travers l'ambassade là et l'ambassadeur, c'est une autre politique qui c'était continuité de, eh bien, by Haïti, n'importe qui ça. Et depuis, il y a quand même devant stabilité, eh bien, n'importe qui ça a ouvert au décap Haïti. Nous avons déjà remarqué contradiction ça, entre l'administration américaine à travers l'ambassade là qui est ici, et Daniel Foote qui lui-même, c'est web bagaillon l'autre gens. Et le plus souvent, moi j'étais toujours à poser question, est-ce que vraiment Daniel Foote son monde qu'a traité, est-ce que système là pas manger parce que lui pas adopté même ligne, moi j'étais qu'a dit avec système là. Et là ça arrivé que Daniel Foote démissionné, moi quoi que je dis là, eh bien sous tu as mangé, sous tu as pas balle possibilité pour faire changement ça parce que pas oublier dans système ça yo. Et que ce soit dans le système la Russie ou les États-Unis, grande puissance, ou en sorte de nomenclature, ou en sorte d'establishment qu'il a, eh bien, qui était dans une ligne tracée par peut-être depuis des décennies et qui ne peuvent l'échanger. Donc, je veux dire, je pense que, et démission Foote, l'hypothèque question au niveau international, je vais regarder sur BBC, je vais regarder France 24, je vais regarder que, eh bien, grand émissaire, un envoyé spécial américain qui dit que ça n'est trop. Ça n'est trop que nous, politique, côté que États-Unis et Haïti va choisir dirigeant. Ça n'est trop que pays a mis c'est comme ça, et puis États-Unis, et un pays qui a souffert de cancer, États-Unis, c'est aspirine la poté. Ça n'est trop de ce que je tolérer gouvernement corrompu, gouvernement, bien, qui pas utile à pays, mais c'est eux que l'Américain a employé. Ça n'est trop. Moi, je pense que c'est un bon signal pour monde qui veut changement dans le pays, ça, pour dire qu'à côté des batailles que nous avons menées, eh bien, je dis, il y a d'autres mondes, il y a d'autres officiels qui croient que ces batailles, ça, qui pour aider de nouvelles relations entre Haïti et États-Unis, et moi-même m'inscris dans ça, parce que, ou pas qu'à faire au pas avec Haïti, si nous restons dans une sorte de dépendance totale, ça. Et voilà, je me dis, plutôt que
nèg yo tout occupé Haïti au lieu y a fait doublure puis chaque coup bon problème yo dit haïtien puis tu tout occupé si on pas capable pas nos responsabilités nous donc dans sens ça moi quoi que certains pas et malheureusement que Daniel Foot pas arrivé appliquer ça le Léa qui t'a aidé Haïti à avancer mais quand même certains pas puisque son qui va dans les oreilles en pile monde et puis tout le monde qui rentre dans les changements ça a montré que d'autres monde et bien qui campent à côté. OK, très bien. Maintenant, il y a la démission. Maintenant, est-ce que cette démission sera donc acceptée par Washington ou le secrétaire d'État américain? Et parce que accepter la démission, livre de Zombagay, pas accepter livre de Zombagay, sénateur de la tortue. Ou David? Oui, moi, David, moi, parce que c'est une très grande question que vous posez, Nico. Parce que je dis, accepter démission foot, ça veut dire que l'Américain va décider de changer politique. L'Américain a décidé de rester dans le statu quo. Il a décidé que Haïti, son petit pays, côté que c'est lui qui a décidé et l'a utilisé Haïti pour lui gagner vote lui, la tribune des Nations Unies, pour lui gagner vote lui dans les organisations hémisphériques et pour que certains intérêts lui-même lui protéger dans le pays. Si que je dis là, je n'ai pas accepté démission, c'est que moi, tu as conscient que le secrétaire d'État a commencé à remarquer attention au bon changement qui pose. Bon changement, puisque il y a d'autres voix qui n'ont même pas de démocrate ça, qui dit nous pas qu'à faire ça. Donc, moi, quoi que je dis, comment le secrétaire d'État va réagir, n'a simplement pris acte de ça, on va le dire. Est-ce qu'il accepte? Ça veut dire que je dis, foot, sort à dire, nous pas besoin, donc, pour te mettre tout à l'aise. Ou bien, est-ce qu'on va accepter pour dire, eh bien, mea culpa, mon autre voix qui t'a permis une nouvelle relation, nous pas quitter l'aller, en nous garder comment nous travaillons avec elle. Eh bien, c'est ça que nous avons. Et nous espérons que le département d'État a pris une nouvelle voie, puisque la relation entre Haïti et les États-Unis n'est pas datée de qu'on y a. Il y a une longue histoire depuis les longues batailles de Savannah. Et à part Haïti, les États-Unis, même dans les grandes tribunes, lorsque ont été isolés, les États-Unis et l'Angleterre avec l'Angleterre. Donc, moins quoi que je dis, États-Unis devant toi, et nous avons souhaité pour que bagaille aille plus rapide, pour nous gérer humainement question crise migrant, parce que nous n'avons pas dit que les États-Unis n'ont pas le droit de défendre les frontières, mais le droit international, là, il dit que je dis à les migrants, ils n'ont pas qu'à faire déportation massive, c'est cas par cas, il faut attendre les gens, et puis il faut avoir un traitement humain, on va devoir séparer de famille, on va devoir maltraiter, on doit avoir un côté pour dormir, pour manger. Donc, moi, quoi que je dis à nous voulons regarder est-ce que c'est du bout des lèvres que le département d'État dit que ça fait migrant ou pas bon, il va changer politique avec les États-Unis, ou bien si c'est une parole profonde, et le ça n'a pour que l'émissaire Daniel Foot, qui en a monde pour Yotakembe, pour continuer à faire travail. OK, maintenant, dernière question. Qui est fait ou pensez que l'émission est capable de gagner sur la politique en Haïti? La politique, en fait, dans la conjoncture actuelle là. Eh bien, et fait que le poil fait, ou quand je vois un peu le monde qui remet ça pour quoi, et avec l'ambassadeur Sisson, qui est très content que l'ambassadeur Daniel Foot n'est pas là, et qu'on va continuer dans la même ligne-là. Et ça veut dire que pas rien de changement profond, ni pour question sécurité pays, ni pour question production, ni pour question éducation. C'est fait avec une élection à la va-vite pour mettre en l'autre dirigeant, et pour une élection, c'est solution au problème pays. Ça, moi, je crois qu'il y a des gens, eh bien, qui je dis, ah, peut-être, Daniel Foot, t'es un emmerdeur, t'es un monde, eh bien, qui vient droit, et justement, t'es venu mieux, donc, je t'ai bien content. Donc, l'autre côté, moi, je crois que, depuis l'autre monde, quand pour moi, puis le monde a fait tweet, et, il y a qui entend dit que, eh bien, yo même, on va continuer à battre, hein, parce que voix nationale, là, vient une voix internationale, et j'aime ce doula, m'a dans le tour de la presse internationale, et je dis à nos sous-gros émissions, ça, et, matin débat, qui les mêmes tout, a fait débat sur lui-même, j'ai appris international, qui montrait que, attention, bon bagaille qui doit changer là. Bon bagaille que, yo doit faire de nouveau par rapport à Haïti. Et tout le monde qui voulait changer dans le pays, y a connaît que bon voix qui parle en plus et n'a continué la bataille là, avec beaucoup de détermination, parce que je dis, et moi te dis avec Daniel Foot, il te remet parole ça, moi te dis, émissaire, ou dit que après 3 mois, on va venir pour question sécurité. Moi-même, moi, parle d'un plan sécurité pour pendant 3 mois, ça, l'on vini, où est les Haïtiens dans le pays, où est que le travail a commencé à faire? Il était bon, l'en main, il était dit, si Haïtien a fait le travail, c'est encore mieux. Et
c'est peut-être ça m'était apprécié et m'était capable de garder le jeune moi dire les haïtiens qui travaillent les haïtiens qui fait production haïtiens qui baille sécurité a. Et là ça te dit c'est ça que la prière et je dis à si nous prenons responsabilité nous j'aime te dire nous qu'on a dernière émission nous t'es qu'à résoudre question sécurité a. Nous t'es qu'à commencer ouais gros progrès dans 3 mois malheureusement nous avons des dirigeants c'est pas ça qui coûte intéressé eux pouvoir partage de pouvoir même espérer que eh bien question d'Ariel Foutla va le permettre que bon l'autre prise de conscience qui fait qui montre que même américains certains américains yo veulent changement beaucoup plus que certains haïtiens et m'espérer ça à frapper conscience pour que nous font seule bataille pour payer ça à l'idée. Merci en ville sénateur Youda Tortu, merci en ville. À moi de vous remercier. OK, voilà, ça c'est sénateur Youda Tortu. On faut parler et avec colonel Imler Rebus, s'il est disponible. Et on monte à quoi, moi, Sandré? Qui travaille aux États-Unis d'Amérique. Je suis un dirigeant gouvernemental de l'administration Biden-Harris. Je veux vous dire que le système gouvernement américain ne permet pas au secrétaire d'État américain de refuser la démission de Daniel Foote. Ah bon? OK. Et tous les employés du gouvernement américain ont le droit de démissionner et leurs démissions seront définitives sans l'acceptation du président américain. Donc ça veut dire que l'ICE ont dirigé un gouvernement américain l'administration Biden-Harris. Donc dis-nous que le système américain, gouvernement américain pas permettre au secrétaire d'État américain refuser démission Daniel Foote. Eh bien, bon, là, il n'est que d'attendre. Et il pas permettre ça. Donc le système n'a pas permettre de refuser démission. OK. Bon. C'est automatique. OK. Maintenant. Mais ça va empêcher que il y ait répercussions sur le gouvernement américain. C'est clair. Sur la politique américaine. C'est clair. OK. Mais espérons-nous contents, nous comprendre ce qui a passé là. Son gros frappe que les États-Unis prennent là. Gros frappe. Parce que, madame, monsieur, c'est le Parti démocrate qui est au pouvoir. Et Daniel Foote, c'est un démocrate. Madame Sisson, son républicain. Et madame Sisson, c'est un républicain. Républicain. Donc, son élément de l'ensemble démocrate qui vaut un signal pour dire que, hey, même si c'est démocrate, nous y est tout, moi y est tout. Ouais. Je m'en passe à Haïti, elle va bon. Correct. Non, monsieur Claire. Monsieur Claire, sous ça. Et vous regardez la presse internationale relayer en fait démission ça, information ça. Ils ne parlent que de ça, on ne parle que de ça de la presse internationale. Mais Daniel Foote, laissez-moi dire, il était toujours voulu un exécutif bicéphale. Claire. Et un accord global. Et il y a un accord global, à tout point net. Ok, il était tout voulu ça. À qui est-ce que vous et colonel Imneribu qui est déjà là. Ok. Et puis, pas oublier, je vais retourner avec information pour nous sur Daniel Foote qui est extrêmement important. Colonel Imneribu, sans surprise, la démission, sans surprise, la démission de M. Daniel Foote. Colonel Imneribu, est-ce que sans surprise pour vous, démission et diplomate Daniel Foote? Oui, parce que il est très rare dans un domaine aussi complexe que la diplomatie qu'on joigne un diplomate qui est engagé et nos responsabilités publiques au nom de son pays arriver prendre position ça. Mais pour nous comprendre ça qui a passé là et pour nous comprendre l'attitude de monsieur Foote là, il faut comprendre dimension impact ça passe sous frontière les États-Unis avec le Mexique là avec réfugiés dimension impact ça fait et conséquences politiques ça a gagné pour l'avenir. Donc monsieur fait un calcul qui politique mais qui gagne des réflexes humains très très forts et très prononcés par rapport à la réalité que li wè volume misère que peuple haïtien a passé et li wè contribution américain pareil li avec des traîtres haïtiens sur le territoire national ou fait
peuple là a passé misère à passer. Donc moi je sens pas qui révolte la conscience humaine et monsieur comme être humain lui réagit, mais très certainement il y a un calcul politique tout par rapport à conséquences que bagaille ça prend le gain sur la politique aux États-Unis et dans élection mi-mandat. Vous pensez que ça capable d'avoir conséquences et sur les prochaines élections? Oh oui, il y a des conséquences. Parce que bagaille que et président Biden fait là, sont bagaille d'une extrême gravité. Ouais. C'est l'application systématique de ce que Trump, Donald Trump, ouais, avait imposé. Parce que les gens sont réfugiés. Mm-hmm. Ou qu'ils doivent refouler. Mais la loi américaine va bah, procéder pour arriver vers ça, quand tu es obligé. Tendez mon nom, et pour analyser de manière avant de refouler. Et le bah, ils ont bougé cas, mais après, imagine, tu fais un cheval capturé. Il faut dire le terme comme ça, capturer des êtres humains en 2021 aux États-Unis. Et ce ne sont pas des criminels, ils ont mis un avion. Et chaîne dans le pied, chaîne dans le pied pour vous détourner. Et puis, nous avons plus d'haïtiens pour affaires politiques qui ont collaboré avec les Américains dans le bagage de ça. Donc, moi, je crois que monsieur prend une décision qui est à la fois humaine et politique. Qui conséquences politiques que ça capable de gagner dans ce conjoncture actuelle en Haïti? On connaît que les démocrates ont très serré avec les républicains. Claire. Et bien, en pile haïtiens ou américains. Qui est pour t'appuyer en un système électoral et américain en faveur des démocrates. Et suivant ça, comment ça me dit, il y a un pile d'effection de haïtiens et américains dans le système démocrate là, qui de préférence va un petit peu renforcer les indépendants. Et c'est la tendance aux États-Unis, c'est et le problème qui se pose. En pile haïtiens qui des supporters du Parti démocrate là, commencer à réunir pour monter une poule de politiciens indépendants non appuyant les démocrates à partir de ce qui s'est passé là. Eh bien, est-ce que vous croyez que en fait, l'avenir du docteur Ariel Henry est donc menacé à partir de cette démission, vu que dans sa lettre de démission, il mentionnait donc Ariel Henry? Bon, il est très clair que le débat est très grave passé là. Et nous, ça va faire 2 mois et demi que nous en dans une situation où nous concours de timon qui par contre qui ça pour nous faire. Nous avons gravité question insécurité que nous avons vu. Il y a question pour nous stabiliser l'emploi. Pour nous joindre qui j'en ai pris pour nous justement faire face à misère à trois ça que nous avons vu là. Pas de personne qui parlait de ça. Tout le monde s'est affaire pour voir et régler. Guerre de position pour avoir quoi, on ne sait pas, alors que responsabilité essentielle ou pas le sentiment que le contingent qui pour répondre à eux. Maintenant, il y a un pile monde qui d'ailleurs signe plusieurs bagailles qui a pris les accords. Nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de les accords. C'est un groupe de monde qui a la même idée. Si tu as ensemble, ils font papier entre eux. C'est position de monde. Mais nous connaissons plusieurs positionnements publics et où est M. Foot? En dans le rapport, lettre l'écrit, il dit que un groupe de la société civile là, qui fait des propositions, il aurait semblé que tu as bâillé des résultats en faveur de la population, hein, que il a banalisé gang et G9 en famille, et qui est le corps groupe là. Parce qu'il parle de l'autre gang. C'est Mme Laline avec Mme Simpson. C'est eux-mêmes qui déforment les gangs, non. C'est eux-mêmes qui chef gang, non. C'est eux-mêmes, ils ont dit, et leur fédéré, il y a plus contrôle sur eux. Donc, il est très clair que les Américains sont dans un complot ouvert contre et le peuple haïtien en faveur de la misère pour le cadre de la politique pour faire même Moon Clinton voler l'argent encore en Haïti et permettre que tout le monde qui vole l'argent plutôt au Caribe, par exemple, répondre à la question. Donc, son système de gangsterisme qui montait avec des étrangers, Bill Clinton en tête, avec une série de affidés haïtiens qui préféraient fédérer les gangs, mettre les gangs, permettre que le pays a vivre dans la misère, dans l'inquiétude de la vivre là, parce que ça a assuré l'impunité. Donc c'est un projet politique
et là lui-même fout les vinicites, lui enquêter, lui ouais bagaille, lui déclarer carrément. Eh bien, est-ce que ça t'a confirmé tout de, en fait, le désaccord, est-ce que ça t'a prouvé, ça t'a montré tout que qu'on désaccord entre Mme Sisson, l'ambassadrice, également, et Monsieur Fout, et démission ça? C'est évident que je passe sous même position. Mais eh bien. Lui dit, lui, ouais, il y a un gang qui forme de responsables américains, notamment Mme Sisson, Mme Lalim, qui a dirigé politique haïtienne dans une direction qui contraire à l'intérêt peuple haïtien, qui contraire à la recherche une solution à la crise de nous, pour qu'on maintenir la population à côté de l'IA. Madame Sisson, Madame Laline, c'est pas fou, fou. Il y a des gens derrière qui ont profité du système de misère peuple haïtien, et il y a des affidés en Haïti qui sont des gangsters aussi, et qui ont pris la fête la jeu, pendant qu'il y a pensé de l'autre petit gangster exposer la vie dans la ria et tuer les gens qui semblent, les gens qui paraissent, yo, pour qu'ils jouent l'argent. Et yo même, dans tête en l'air, ils ont réglé à faire trafic d'âme, ils ont réglé trafic de cartouches. Donc, foutre carrément que toute gang que nous avons en Haïti, c'est américain même qui organise. D'ailleurs, côté cartouche, on a passé, côté âme, on a capable de passer, et pour la sécurité, par la contrôle. Eh donc, maintenant, il se trouve qu'il y a des Haïtiennes et des Haïtiens qui en d'un combinant et qui permettent que la population a subi, celle a subi la journée. Eh merci, colonel Imler Ribu, merci en pile. Ça a été un plaisir, bon travail. Merci en pile. Voilà, donc c'est donc le colonel Imler Ribu. Et Daniel Noël Gagnon, depuis Washington, d'ici, l'intervention de Junior Morissette, qui lui-même a suivi le débat là, et qui prend le place son point, et par rapport avec la situation nous avons là, et en pays. Et nous avons demandé pour Junior Morissette, relez-nous, et sous 38-89-95 là. Et faut nous dire qu'un pile monde dans le département d'État qui a suivi l'émission le coup désir, un pile monde qui à travers l'ambassade américaine, ambassade du Mexique, ambassade et d'Haïti et à travers Santo Domingo et consulat et à travers le monde, mais un pile monde à Paris et qui dans l'ambassade d'Haïti à Paris qui a suivi l'émission Maté Débat. Maté Débat ça sont l'école et Daniel Maurice n'a demandé pour Stanley Lucas et Maurice tout à l'heure. Voilà. Maurice t'as alors arrêté Maurice. Et alors où on est à qui ça m'a réfléchi là tout à l'heure là pendant que colonel Imler Ribu donc a parlé là. Et est-ce que nous connaissons que l'éclair aujourd'hui, l'aide d'émission ça, de Daniel Fout là, la peut faire tache d'huile dans l'histoire du pays? Ah oui, clair. Même après 50 ans, même après 100 ans, même après 60 ans, génération qui a venu, si les États-Unis continuent à faire politique ça l'a fait là avec Haïti. Génération qui a venu à Gepou faire référence à l'état à chaque fois que y a bien pour comprendre bien relation Haïti avec les États-Unis d'Amérique. Madame, monsieur, c'est vexant et c'est frustrant également. Une attente 30 minutes, oui, il est là. De Miami. Haïti des États-Unis d'Amérique, c'est une attente 30 minutes, oui, madame, monsieur. Je dis comme si Haïti est important pour les Américains, juste pour une question de proximité. Mais les Américains considèrent Haïti comme backyard, comme arrière-cour. Arrière-cour. Pas yo. Et puis pour arrière-cour, il y a l'État, ça. Américain. Et puis pour encore, je dis, c'est Américain encore qui a goumé pour craser le pays, ça. C'est ça, oui, Daniel Fout dit là dans l'être là. Daniel Fout dit même, Baba nous menti, madame, monsieur. Là, après, t'es une histoire pays d'Haïti. Ah oui. Monsieur, une histoire même. Oui. Et c'est un rat américain qui a courage pour dire vérité, oui. Monsieur, désaccord avec l'administration Biden. Un rat américain, madame, monsieur. Un rat américain. Moi, je suis content d'être français. À travers de séquences de vidéos qui a exprimé frustration sur Jean la France traité Haïti. Ouais. Sur ça Haïti représenté, madame, monsieur. Mais c'est un rat américain jodia en 2021 qui a le courage pour dénoncer le traitement États-Unis donc Haïti. Ouais.
Elle dit que l'aide ça l'a prêté dans les annales de l'histoire. Donc, correct, madame, monsieur. Correct. C'est tout ça d'avoir réfléchi pendant que le colonel Imler Rebu a intervenu. Maintenant, si c'est le cas, pour qui ça, États-Unis pas libérer Haïti? Pour qui ça? Qu'on a compris pour qui ça, États-Unis a barré la route à la Russie? Pour qui ça, États-Unis a barré la route à la Grande Chine? Puis on va venir là dans le pays. Parce que tout le monde a pour la différence là. Et ceci dans un temps record. Donc si la Russie vient là, si la Grande Chine vient là, nous n'avons pas la différence là. Il n'y a pas de différence là. Donc, Américains, pas j'aime quitter au Vini. Pourquoi faire ça à un peuple? Pourquoi faire ça à ce peuple? Pourquoi? Je ne vais pas même rentrer dans l'histoire côté que Haïti était des États-Unis. Bon, ça y est, bah, bullshit. Ça, c'est le passé. Parce que c'était compté. Ok? Je dis, il y a importance que nous gagnons dans les yeux. Le monde. On paye tant que le Venezuela, du temps de Chavez. La Bolivie. Nous avons même importance dans les yeux américains. C'est des questions d'aller dans la bataille savana. Un débat au million de dollars. Pour que ça aujourd'hui, c'est vrai que, madame, monsieur, il y a la qualité de nos dirigeants. Il faut quand même l'admettre. Et parlant de dirigeants, yo. Qui baille, eh ben c'est pas qui baille. Parlant de dirigeants. Blanc va venir chercher le pays, Amérique va venir chercher le pays. Correct. Et c'est dommage, mais qu'on y a tout. Quand tu pitié, États-Unis de gagner pour Haïti. Parlant de dirigeants, écoutez. Où on est. Le gouvernement n'a pas dénoncé ce qui passe. Hein? Jusqu'à présent, pendant que je parle là, le gouvernement n'a pas dénoncé. Sinon que seulement, et pendant que le Tal parlait avec le Mexique, avec le ministre des Affaires étrangères mexicain, sinon seulement ça. Mais le gouvernement, par le biais de Larry Henry, n'a pas fait note de dénonciation par rapport à ce qui passe là. On va faire là, écoutez, madame, monsieur. Nous ne pouvons pas faire ça en pays. Nous ne pouvons pas faire ça en pays. C'est vrai que c'est pas un blanc qui a vingt ans Haïti. Mais pour les gens qui ont un bon rapport avec les Américains, non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est vraiment pas normal. Et Daniel Foote prend courage à deux bras. Madame, monsieur, vous m'avez dit là qui est très important matin. M'espérez que la vie de Daniel Foote est longue. Comme c'est pas en Haïti, la vive, mon TK peut-être un grain de matin où elles sont pile fatra en Haïti. Ah oui. C'est fréquentité. Songez, Louko Désir, dans l'émission Matin Débat, te dit ça. Parce que c'est un Nord-Américain qui, je dis, qui mettait à nu les États-Unis d'Amérique. Dans le cadre politique, donc avec Haïti, un pays, t'as quoi Haïti. Nous souhaitons que la vie, diplomate Daniel Foote à Long, et qu'on matin, nous parlons, son pile fatra, même genre avec des. Des citoyens haïtiens, ou qu'on voit chaque matin, peut-être des fois, sous le fatré en Haïti. Mais il a su dire la vérité. Il sait, monsieur, il dit la vérité. Il dit la vérité. Bon, si nous allons comprendre. Joe Biden, pour le décap président des pays, États-Unis, dans quatre campagnes, t'as l'air sonné. Elle n'a littéralement dit, ma amie, li mette genou à terre, Black Matters. Tout haïtien dans l'intérieur dit, c'est Joe Biden, Joe Biden, Joe Biden, Joe Biden. Je dis à qui est-ce comme président qui prend une décision pour expulser des haïtiens vers Haïti. La condition à faire là, Joe Biden. Et haïtien était chaud, ban Biden, ban Biden. Même pas j'en blé ça, non? Tu es activiste États-Unis qui a pris ici dans le matin débat, il est dans toute radio. Port-au-Prince, il a fait campagne pour Joe Biden. Il est ici à la matin, il dit, monsieur, combien vous gagnez, chef là? Il dit, combien vous gagnez? Moi, je demande combien d'argent vous gagnez. Parce que ici, à son radio, il y a son business que vous gagnez. Vous ne pouvez pas faire publicité pour Joe Biden, qui est en campagne. Moi, même si je suis candidat, je suis là-bas, je dis, si CNN fait campagne pour moi. Moi, je demande, monsieur, combien vous gagnez pour payer le matin débat? Il dit, non, mon cher, c'est comme qui ça? C'est communauté, communauté qui ça? Ça, Joe Biden va faire pour la communauté haïtienne. Donc, c'est président haïtien, lui? Ah, monsieur, pas trop content même. Monsieur, il est prêt à battre la toute.
lire les choses Alexis d'or, lire les Isaïe, dit que monsieur Mbaye sa pièce là. Afin nèg ou campé dans diaspora vienne faire publicité pour candidat là-bas. Non, c'est ce candidat ici mais un problème. Au final ça passe. Et ben nous gain raison. Correct. Et bien, ici, on est dans une situation qui a besoin justement de support au gouvernement américain. Est-ce que Joe Biden t'a réfléchi? Il n'a pas réfléchi, mais une minute. Il a appliqué la loi qu'il t'a dénoncé, que Donald Trump te prend. Ouais. Il a appliqué sur Haïtien. Et nous, il imagine. Cheval, net sur cheval, a traqué Haïtien qu'à terre. Vous voyez, prendre avec rasso, traîner dans la boue. Des bagages, nous ne pensons pas que nous avons jamais eu ça encore dans la vie, nous. Mais c'est les États-Unis, je dis, qui ont fait nous revivre. Lui. Pourquoi faire ça à ce pays? Pourquoi ça? Pourquoi ça n'a fait Haïti ça? Madame, monsieur Daniel Foot. L'accepte perdu pension, lui. Hein? Selon. Et la famille. Oui. L'aile démissionnaire, là. Lui accepte perdu dit, pension. L'accepte perdu pension. Pension. Daniel Foot. Oui. Daniel Foot. Il était même mission en Colombie, madame, monsieur. Il était même mission en Colombie. Et c'est lui-même qui est arrivé à stabiliser Colombie. Avec les Colombiens, bien sûr. Nous montons notre système pour la Colombie. Et devine là, c'est justement pour te mettre notre système pour Haïti. Pour te remettre le pays à Sougaïli. Eh bien, c'est pour nous montrer que, où est la bataille politique? Eh bien, n'importe qui va y passer. Donc, bataille démocrate avec les républicains, hein, la fête à Haïti, à travers Mme Simpson, qui est ambassadrice américaine, qui est républicaine, et Daniel Foot, qui est envoyé spécial, qui est démocrate. Et Waldo, que tout rapport qu'on voit aller, aux recommandations, yo, si des fois, yo pas ignoré, mais rejeté, yo modifié seulement. Le jour, nous prenons conscience que nous sommes peuple qui fort. Le jour, nous prend tête nous au sérieux. Le jour n'a compte qui ça nous vaut comme peuple. Probablement donc gaguette en moui, ça a peut-être qu'a fait dans 50 ans dans 100 ans. Mais fourmi va porter nouvelle ban moi. Et là ça n'a pas qui j'en capable vivre bien dans pays ça.